Retrouve pour la présentation d'un livre, un livre sur le tarot que j'ai reçu des éditions Hérol pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du livre L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi de Vanessa DL. Voilà, donc il arrive avec une, une couverture en dur cartonné. Voilà, je vous montre toutes ces coutures et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Longtemps perçu comme un outil de divination, le tarot est aujourd'hui considéré comme un puissant allié de bien-être. Ce bel ouvrage très complet remet au jour la pertinence de cet art dans le voyage parfois tumultueux de la connaissance de soi. Avec délicatesse et sensibilité, Vanessa DL, cette sorcière des temps modernes, partage avec nous une vision renouvelée du tarot fondée sur dix années d'études et d'approfondissement. Ainsi, à travers l'exploration des 78 arcanes de multiples exercices et des pistes de réflexion, Vanessa DL nous apprend à lire les cartes et à interpréter pour soi le puissant fond de sagesse qu'elle recèle. Comme une invitation à entamer un dialogue authentique, riche et captivant avec soi-même par l'entremise des lames, l'art du tarot est un guide pour nous aider non pas à prédire l'avenir, mais à éclairer le présent. Donc il est au prix de 22,90 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc il est assez épais quand même. Hein. Euh, il y a 272 pages. Quand on l'ouvre, je trouve ça très très joli. Hein. Euh, C'est un beau papier. Je vais juste vous mettre un peu plus au-dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux quand vous êtes au-dessus. Alors, on a la page de garde. On a le sommaire avec une introduction, ensuite démystifier le tarot, les différentes approches, les questions fréquentes à propos des arcanes, puis on passe au chapitre suivant avec les arcanes mineures, les figures de la cour, les arcanes majeures, puis on a tous des exercices et des étalements, et en conclusion, le grand voyage du fou. Voilà. Donc ici, on a la photo de Vanessa DL. Voilà, enseignante, pratiquante et vulgarisatrice du monde ésotérique. Ici, elle vous donne des pistes pour aller plus loin. Alors, le tarot de la fascination à la réalité. Une première expérience traumatisante ici, elle explique son expérience. Hein. C'est souvent d'ailleurs, euh, de plus en plus, je vois des gens qui disent que ils ont souvent, enfin parfois, arrêté le tarot suite à une expérience traumatisante aussi. Le tarot, une source d'espoir, retrouver la magie. Et je trouve ça bien que ce soit plutôt axé euh, bah, développement personnel euh, plutôt que divination. Une question de vocation, la débandade spirituelle. Le fameux retour de Saturne, sortir du placard à balai, ça me fait sourire, j'aime bien cette expression, spirituellement outillé. Alors, l'effet 2020, non, ça je ne vais pas tout vous lire hein, évidemment, démocratiser le mystique. Ensuite, on passe aux intentions du livre. Donc, l'intention principale de cet ouvrage est de vous aider à élargir vos horizons. Structurez votre apprentissage, dépassez les plateaux rencontrés dans l'apprentissage autodidacte. Donc, autodidacte, c'est qu'on fait soi-même. Hein. Partagez avec vous son amour du tarot. Alors, elle donne des conseils pour les débutants. Voilà, ici, euh, les conseils qu'elle aurait aimé recevoir à ses débuts. Ensuite, elle donne des conseils aux initiés qui en connaissent déjà un petit peu plus. Hein. Voilà. Alors, on passe au premier chapitre avec Démystifier le tarot. Comment écrire un livre sur le tarot Autant tenter de vider la mer avec une fourchette. <laughs> la voix du tarot d'Alejandro Jodorowski. Déconstruire pour mieux reconstruire. Une brève histoire du tarot, ça c'est quand même toujours bien de le rappeler. Les cartes de tarot comme technologie spirituelle. Le langage des symboles. Les archétypes comme accélérateur d'évolution. L'intuition comme une boussole interne. La puissance des synchronicités. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Il y a Aussi, un petit mot quand même hein, sur les tarots ou un oracle. Et alors, on a ici un résumé. Hein. Le tarot est, il peut être utilisé pour... Puis on a le deuxième chapitre avec là, elle va vraiment explorer les différentes approches. L'approche prédictive. Donc là, c'est plus pour faire de la prédiction évolutive. Le tarot pour nourrir sa vie spirituelle. Le tarot comme moteur créatif, comme allié dans la gestion du stress. Les questions fréquentes, bon ça je vous passe, hein, ce sont toutes les questions qu'on se pose euh, souvent. Hein, s'il faut replacer les cartes dans l'ordre, comment tirer, s'il faut utiliser la main droite, etc. Alors, ensuite, à propos des arcanes, donc ici on va parler de l'architecture, donc comment est conçu un tarot. Voilà. Et puis on va passer aux arcanes mineurs avec la suite des bâtons, suite de coupe, un petit mot sur chaque suite d'abord. Ensuite un mot sur la numérologie, les associations astrologiques. Et puis on passe euh, en premier aux astes. Avec, euh, elle vous met ici en plus gros euh, un petit résumé, commencement et possibilités. Un, une petite explication ici, les mots-clés. Et alors on passe à, à l'as de bâton forcément de coupe, etc. Et alors elle vous, à chaque fois on retrouve ici, vous voyez, des, des questions qu'on peut se poser. Voilà. Qu'est-ce qui m'allume, quelle est ma source de motivation, où canaliser cette énergie qui s'éveille en moi, comment puis-je travailler avec l'élément feu Ce sont des, des bonnes idées de questions pour faire du journaling. Voilà. Et bon du coup, on a la même chose pour les deux, les trois, les quatre, pour toutes les... Euh les mineurs, ensuite on passe aux figures de cours. Ici, un mot sur les figures de cours d'abord. Un, un mot sur la, les différentes cours en fonction des éléments. Une, une, une explication sur les méthodes de signifiants, puis on passe au valet. Et puis au valet de bâton, pareil, on a une explication et euh, des questions de journaling. Voilà. Et ensuite, on va passer au majeur. Voilà, les arcanes majeures. Est-ce que j'aurais passé Non. Avec un mot sur le fou. Voilà. Et puis ici, on a aussi, oui, ici du coup, si on le tire dans un tirage, ben, elle va nous donner plein d'infos aussi. Voilà, je peux vous lire à la limite ben, la carte du fou. Pourquoi pas Comme ça, vous voyez un petit peu euh, ce que ça donne. On a du coup une, toujours une citation. Ici, celui qui n'a pas de destination ne peut jamais se perdre. Évidemment, une citation qui a rapport avec la signification de l'arcane. Alors, le fou est l'arcane zéro, qui symbolise le néant, mais surtout le potentiel infini que représente le vide. Le zéro, comme un œuf, est empreint de mystère, car il est difficile de savoir ce qu'il contient avant d'en briser la coquille. Avant son dévoilement, tout est possible. C'est la terre riche et fertile à l'intérieur de laquelle nous pouvons semer tous nos espoirs. Cet archétype est ressenti comme un appel instinctif, une pulsion qui nous soulève et nous encourage à prendre notre baluchon et à entamer une grande aventure. La destination est inconnue, mais le but est clair, la connaissance de soi. Carl Jung voit l'archétype du fou comme l'étape cruciale du début d'un processus d'individuation qui se définit comme étant la prise de conscience de notre individualité profonde. La personnalité du fou est associée à la candeur et à la naïveté, des qualités qui le poussent à agir en ayant une foi presque aveugle en la vie. Le fou est associé à Uranus, la planète qui nous invite à nous rebeller contre les conventions et à être fidèle à notre individualité, même si celle-ci est incomprise par les autres. Le fou désire une liberté qui lui sera essentielle à la découverte de son essence la plus authentique et la plus vraie. Il cherche à se détacher des identités qui lui sont données et imposées pour se comprendre sous ses multiples facettes. Cette lame nous invite à courir le risque de plonger vers l'inconnu et à faire confiance à notre instinct tout en cultivant la pureté de nos intentions. Concrètement, elle nous avertit d'une nouvelle aventure qui ne saurait tarder, un peu comme les sons du tambour dans le film Jumanji. Bien que cet appel soit excitant et parfois effrayant, il implique souvent une bonne dose de chaos alors que notre routine s'en voit perturbée. De manière plus subtile, cette carte intervient lorsque nous faisons des choix qui brisent nos patterns et nous font avancer en terrain inconnu. Par exemple, le sentiment de vertu qui s'éveille lorsque nous décidons de nous exprimer avec vulnérabilité alors que nous préférons habituellement nous taire. Dans son ombre, cette carte peut symboliser une perte de connexion avec son instinct ou une puérilité qui mène vers une absence totale de responsabilisation que l'on pourra comparer au syndrome de Peter Pan en référence à l'éternel petit garçon qui ne veut pas quitter le pays imaginaire. Ce dernier désigne un phénomène psychologique chez une personne émotionnellement immature qui refuse de faire le passage de la vie d'enfant à celle d'adulte en évitant toute responsabilité. A aussi deux petites questions, qu'est-ce que mon instinct me dicte Dans quelle aventure suis-je invité à plonger à ce point de ma vie Et dans s'il arrive dans un tirage, il faudra plus se fier à son instinct plutôt que d'essayer de tout raisonner ou planifier, incarner les qualités du fou, c'est-à-dire la candeur, l'optimisme, la spontanéité, la pureté et l'insouciance, prendre un risque et se lancer dans une nouvelle aventure. Un tout nouveau chapitre de vie s'ouvre à nous, décider d'agir différemment lorsque nous sommes tentés de répéter des patterns qui nous éloignent de notre individualité et se répéter que tout est possible. Voilà, donc on a ça ben, pour toutes les arcanes majeures aussi. Et on va aller jusqu'au bout. Ici, on a le monde avec euh, le chapitre 7 avec les exercices et les étalements. Premier exercice une carte pour la semaine. S'initier aux arcanes mineures, etc. il et, y et a des. Tout ça est bien expliqué hein, intention, activation, créer sa propre histoire, mise au point, carte de l'année, etc. Voilà. La croix celtique, bon, je ne veux pas toujours les montrer, ligne verticale, euh, pour travailler avec l'écart difficile, pour travailler le cycle lunaire. Et ensuite, on a le fameux euh, grand voyage du fou euh, en conclusion, dont je vous ai déjà parlé hein, le fou qui, qui fait son voyage dans toutes les arcanes majeures jusqu'à arriver à la consécration au monde, et puis il recommence à zéro. Voilà. Donc, ici, elle vous parle de ça. Puis on a bibliographie avec tous les ouvrages cités, les jeux de tarot cités, ses remerciements. Et voilà, je le trouve très, très, très intéressant. Voilà. Euh, et c'est bien aussi d'avoir des livres. Bon, maintenant, on commence à avoir beaucoup de livres sur le tarot. Mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un livre sur du développement personnel euh, avec euh, une vision différente. Voilà, moi je le trouve très très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez intéressant, si vous l'avez acheté, il est sorti le 7 mars, donc il n'y a pas très longtemps. Si vous l'aviez vu passer ou pas du tout, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous